C'est Delkino, il s'agit de la découverte de Castle Torgith, Torgeth, Torgiath. Voilà, je ne sais pas, Descent into Darkness. Alors le jeu n'est pas en français malheureusement, donc je traduirai certaines choses dans la mesure du raisonnable. S'il y a trop de texte, tant pis, voilà, ce sera comme ça. On est là pour le découvrir de toute façon et voir si, si le jeu est intéressant. Et ben je le continuerai, on verra bien ce que ça donne. On est parti. Alors, hop. Donc, comment ça, customiser? Ok. On choisit la couleur du t-shirt qu'on ne peut pas voir. Ah, si, on peut voir les manches. Oh là là, magnifique. D'accord. Ok. Mais j'aimais bien en vert. Cuffs. D'accord. Ok. On s'en fout un peu. Ah, les mains, d'accord. Ouais, 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 ok. Comme ça. Et l'épée. Bah comme ça, ouais, carrément. D'accord. C'est intéressant, c'est rigolo. C'est, je sais pas si c'est vraiment... Voilà. I am sending you this letter to inform you of my recent actions on a matter most important. Several days ago, I assembled an expedition tasked with the exploration of the ancient ruins of Castle Torgith, a place renowned for its dark and decrepit rumors. I, however, fear the worst for them, as I have not heard back from the expedition ever since they entered the castle. I am deeply in need of your assistance, and I am willing to offer a sizable reward to compensate you for your aid. Will you not help an old friend out of a bind one last time? Signed, the Archmage. Ok, très rapidement, la personne qui parle nous envoie en fait à la recherche d'une expédition qui aurait disparu dans le château Torgues. Voilà, en gros, apparemment, le mec qui nous demande ça est un pote à nous. Et c'est signé, ce mec-là, c'est l'Archimage. Having decided to aid your former mentor, you find yourself standing before the ominous gates of Castle Torgues. Despite your grave concerns, you decide to press onwards into the castle. Once inside, however, the doors shut with a resounding clang, and you realize you will not be able to leave the way you came. Steeling yourself for the journey ahead, you begin your descent into darkness. Donc, on a décidé d'accepter la proposition. Dame, tcho-tcho, bisous à toi. Merci, et puis à plus tard. Merci d'être passé. Merci pour les bits. Des bisous. Donc, on a décidé d'accepter l'offre de l'Archimage. Donc, apparemment, l'Archimage, c'est notre mentor. Donc, on est son disciple. Et donc, on rentre dans le château. Et la porte se ferme derrière nous avec un super bruit... un super clang, lol. Et du coup, bah, on est bloqué. Voilà. Donc, scénario basique, hein. On va pas non plus s'étendre dessus. Mais c'est cool. On va voir si le gameplay est à la hauteur, en tout cas. Le son. Où es-tu, le son? Rendez-nous le son! Ok. Donc, je vais revenir aussi. Est-ce que je reviens? Je reviens comment? Je reviens comme ça. Ouais! Ok, alors, donc on bouge avec les flèches. Donc c'est un FPS en fait. Enfin, c'est un FPM. First Person Melee, j'imagine. Je viens d'inventer un nouveau style, c'est cool. Baisser ça aussi un petit peu. Clic gauche pour taper. La vie, la fin. La mana, la torche, Morphog, je ne sais pas ce que c'est. You will die only when health or hunger are reduced to zero. Apparemment, on crée aussi la vie, évidemment, on tombe à zéro, et la faim aussi. When torch goes out, you cannot see well, and enemies are more dangerous. Les ennemis sont plus dangereux quand la torche n'est pas allumée. You have both the sword and fireball spell weapons at the start of the game. On a le sort de boule de feu et une épée au début. Et on va pas regarder les tutoriels parce que c'est sûr. YouTube. Oh là là. Ok. Y a un mode pour changer la tronche de tes pouces. Lol, Lord Ball. Je dois y aller, mon live. Ça marche, Lagdar. Ça marche, ça marche. N'hésite pas. Je crois que t'as participé au giveaway. Donc,
Je te dirai si jamais c'est toi qui gagne. Donc. Ok. Splock. Il y a des thunes là. Ok, eux pour récupérer, d'accord. Donc c'est pas du casse par casse, Zewin, effectivement. C'est. Vous savez à quoi ça me fait penser là? À Ultima Underworld. Et d'ailleurs, à ce propos, le premier jeu de ma wishlist qui n'est pas encore sorti, c'est Ultima Underworld Ascent, quelque chose, je sais plus quoi. Ascension? Non, je sais plus. Et ça va être un. La suite des Ultima Underworld, une série de jeux que j'aimerais bien faire en live d'ailleurs. Un jour. Bon, ça rame un petit peu là. Hein. Y'a pas comme une sorte de délai avec le son du jeu? C'est possible. Si c'est le cas, je peux réinitialiser la carte de capture, Zewin. Si tout le monde voit le. Enfin, entend le délai, le voit, je ne sais pas. Dites-moi. Ok. Donc je vais faire ça, j'espère que ça fera pas planter le stream. Je vous préviens. C'est possible. Je vous préviens. Ok. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Voilà. Ok. Ça doit être mieux là. Normalement c'est mieux. Si c'est pas mieux, ben je ne peux pas faire autrement. Et comme ça. Ça se voit beaucoup plus sur certains jeux que sur d'autres, mais a priori, c'est ce que disait Jim là, il y a un bug avec ma carte de capture, avec cette série de cartes de capture là, qui fait que le son se décale petit à petit. Alors eux pour ouvrir la porte. Ok. Le son et les étincelles ont l'air d'avoir écouté le métronome. C'est bon, ok, cool. Je peux ouvrir ça, non? T'as faim? Moi aussi j'ai faim. Moi aussi j'ai faim, Lumi. Ok, on a une potion de vie là. Du pain. C'était marqué outil, mais en fait c'était une assiette. Il me semble que c'était marqué tour. Est-ce que j'ai un inventaire? Oh oui, j'ai un inventaire. Alors, Magic, comment est-ce que je fais pour. Ok, elle me dit pas qu'il faut aller dans l'inventaire pour utiliser la magie, ce serait un peu bizarre. Ok. Ouais, on dirait que si. Hein. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Ça a planté un court instant. Ouais, c'est pas planté, ça a freeze, Trirex. C'est normal, parce que la carte qui capture le jeu a été réinitialisée, donc c'est normal que pendant un moment, elle ait plus rien capturé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ça fait un bruit. Oh! Oh non 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 non, direct. Putain de jeu. Ah, un éléphant, ils sont pas beaux les éléphants. Ah, ils sont bien faits les éléphants, j'aime bien. D'accord, je me suis pas fait toucher, j'ai l'impression. Par contre, j'ai ma faim qui augmente. Potion de vie sur un mort, quelle ironie. Ouais, c'est clair, hein. C'est clair. Il y a les yeux rouges là. C'est un éléphant tout plat et sans trompe. Ok, c'est des faux tonneaux, on peut pas les casser. Celui-là, c'est un vrai tonneau. Des fausses caisses. Des fausses caisses. Plein de fausses caisses. Des fausses caisses. Une popo de magie, non? Ah non, popo de vie. Une pomme. Il y a des pommes. Pomme. Si, attends, il a une trompe, évidemment, Zewin, évidemment. On peut pas sauter. Ah, je peux bloquer comme ça, d'accord. Qu'est-ce que ça fait cette touche-là, je ne sais pas. Ok, on va rentrer là. Bonjour. La bibliothèque avec un rat géant. Ok. Wow. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai toujours la musique? Ah non, d'accord. M'a fait peur la musique. D'accord, je suis sûr qu'il y a un passage secret ici. Manque plus que les parsis. Va y en avoir, tiens, encore une pomme. Avec aussi Sergeant Gorgeous Letter.
to Commander Veal. Hello, old friend. How have you been doing? The front lines are tough work, but we're keeping it together. The troops here believe in you and your leadership, giving them great hope and courage. I'm sure together we can beat these invaders and finally get our homeland back from them. Also, don't forget to say hi to Thomas for me. I heard he was moved to the rear guard. Signed, your good friend, Sergeant Cogder. C'est une lettre du commandeur, du sergent Cogder au commandeur Ville, qui essaie de prendre des nouvelles de son ami. Voilà. Rien de super intéressant, un petit peu d'ambiance. Et c'est tout. Alors, Ancestors Hall Gate Key, une clé. Decree, Commander Matthew Veal, you have been ordered by King Balvard to assign a detachment of the rear squad to crime patrol within the castle. You are to apprehend any subjects within the slightest criminal charges and place with even the slightest criminal charges and place them in high detention prison. This is one of the utmost this is of the utmost importance and should be carried out with diligence and efficiency. Et c'est signé Minister Lorvus. OK. Tous les personnes qui ont qui sont un tant soit peu criminels doivent être arrêtés, voilà. Lui il avait une trompe au niveau des fesses. Ouais mais c'est parce que je comprends pas toujours pourquoi dans ce jeu la nourriture de base c'est des pommes si tu manges autant de pommes. Tu te chopes une énorme diarrhée, c'est vrai, c'est vrai. Regarde, on a vu du pain aussi je crois. On a du pain non? Food, tu vois, on a du pain aussi. On a des pommes, du pain et de la viande crue. Qu'on va peut-être garder pour à cuire, hein. Je sais pas s'il y a moyen. Ok, je pense que c'est tout. Mais il a son bureau dans un donjon et s'entorche autour. Ils doivent être morts en fait depuis le temps, j'imagine, Ziwin, mais oui. Après, je sais pas si ça arrive d'avoir son bureau dans un donjon à l'époque. Je ne sais pas. Oh, il y a du rat encore. Mana statue. Ça doit être pour recharger la mana donc. Nous avons un autre rat là-bas, on va le friter avant de se le prendre dans le derrière. Qu'est-ce, Pouch? Le rat a droppé un. Il a droppé un fromage. Mais alors un fromage entier quoi. Hein. Ok. T'as fait Kingdom Come et le Kingdom. Non! J'ai pas fait Kingdom Come, il m'attire pas du tout Lord Bald en fait. Moi ce que j'aime dans l'Heroic Fantasy, c'est le fantasy. Et dans Kingdom Come, il n'y a pas de ce côté fantastique. C'est vraiment un simulateur médiéval. Et je dis pas que le jeu est pas bien, hein. J'ai apprécié regarder ça sur certains lives, notamment Niku par exemple. Tool. Est-ce que je pourrais le revendre, c'est peut-être après. Mais j'ai pas l'intention d'y jouer en fait. Je sais que Koima va le faire par contre. D'ailleurs, personne n'a. Est-ce que quelqu'un a balancé la chaîne de Koima, s'il vous plaît, sur le chat? Pour ceux qui ne connaissent pas Koima, il stream souvent, tous les jours même. Et du coup, n'hésitez pas à aller le suivre si jamais c'est pas le cas déjà. Ok, on ramasse tout ça, hein, je sais pas, on verra. Si ça me prend de la place ou du poids, je virerai. On verra bien. Voilà, Ziwin un peu tard, mais merci Pomme. En même temps, vu. 192, ça va être. Ouais, ouais, non, il faut mettre le. Ouais, exactement. En même temps, vu la taille du rat, il aurait pu avoir un. un bris de bois entier, ça m'aurait pas étonné. Lol. Junk. La merde. Tour. Pourquoi est-ce que tout s'appelle outil? C'est bizarre. Outils ou ordures? Junk. Qu'est-ce que c'est que ça? Tour. Junk. Ah, je loot tout, hein. Oh! Quand on prend la bassine avant. Eh bah ouais, forcément. La laitue, il y avait une laitue là-dedans. Ça tombe par terre. Alors, dans ce genre de jeu, n'hésitez pas, hein. Si jamais vous voyez un bouton ou un mécanisme que je vois pas, n'hésitez pas à me dire bouton! Après, le plus dur, ça reste de me dire où c'était, en fait. Bon, je pense qu'on a tout lu.
C'est vrai que comme image, je le vois à fond ces derniers temps, il enchaîne. Bah, il était en vacances en fait cette semaine, donc il a pas mal joué effectivement. C'est peut-être dû à l'état de ce que tu ramasses. Bon, si c'est encore utile ou acheter. Oui, ça doit être ça. Hein. Mais est-ce qu'on pourra potentiellement le vendre? Je sais pas, tu vois. Key, loot, spells, weapons. J'ai l'impression que je le ramasse, mais que ça arrive dans dur. Ah si, junk, tu vois. Count 5. On a 5 junk et on a 14 outils. Assorted tools like hammers, pliers and knives. Un assortiment d'outils comme des marteaux, des... Enfin bref, pliers, c'est des pinces et des couteaux. Stack of coins, j'ai 10 pièces. Je me dis que... Ah ouais, il y a un nombre limité en fait. Il y a un poids. Je me dis que peut-être je pourrais les vendre à un moment donné. Donc c'est pour ça que je ramasse tout. Et puis si jamais on doit acheter des trucs, on jettera les... les trucs pourris en premier. Et genre... Splink! Aïe! Je vais voir ce que ça donnait la parade et ça a pas l'air top. Lui il a droppé un gros jambon. Tapis! Non ça marche pas, tapis! Voilà comme Twist a dit. Bouton! Faut utiliser la commande, c'est mieux. Ok. Il y a des canons. Je peux. Sérieusement? Ok. Bon bah on va tout ramasser hein. Ori Sarox, bah oui Ori Sarox, Nili jouer. Il y a Arnaud tout à l'heure, Pomme qui disait que Ori 2 a été repoussé en 2019. Donc tu vois, ça me laissera le temps d'y jouer. Au final, l'idée c'est quand même de faire Ori avant la fin de l'année là. Attendre que Kojima le finisse, que vous oubliez un petit peu ce qu'il y a dans le jeu. What? Ok. Rip. Je m'attendais pas du tout à ça. Et le truc, c'est que j'ai pas sauvegardé, donc... Ah si, quand même, ça y est, autosave, ok. Oh, putain. Ah oui, Rip, je suis tombé dans un piège. Ah! Lumikas, Lamenting Kiss, welcome here, thank you for being here. And GG Lumicode. Félicitations Lumicode pour le... Encore, Lumicode qui fait le fou cet après-midi. Merci Lumi. Ok, donc ouais, je suis tombé dans un piège et je me suis fait OS pomme. Et le truc, c'est que j'ai rien vu. Enfin, je sais pas, le piège... Je sais pas trop à quoi il ressemblait, mais on fera attention. Est-ce qu'il y a une quick save? Est-ce qu'on a une quick save? Keys. Et... Il n'y a pas de quick save. Activate magic. Activate magic. Ok. Je préfère l'épée. Ok, bref, bah on continue, on va, enfin on refait là, voilà. Il y avait pas un rat là? Non, c'est bon. Quel rat? Si, il y avait un rat là. Crève! Espèce de rat! Oh, il m'a pas droppé de jambon cette fois! Ok, donc, on loot les boulets. Voilà. Je vais quand même essayer un F5 pour voir. Non, ça marche pas. Donc en fait, là, regardez, là, il y a une tache de sang, là. Donc en fait... Est-ce que le piège est là? Ou est-ce que le piège, c'est le tapis? Je l'ai eu tout à l'heure, déjà. Bah ouais, mais... Je suis mort et j'ai rechargé, en fait, Zewin. Bah tu crois qu'il te ramasse de jambon? Non, mais je suis mort. Je suis mort, c'est le même rat. Il devrait dropper des jambons aussi. Alors, weapons. Ah bah non, c'était de la merde. Ok. Tac, tac, tac. Des armes rouillées, plein d'armes rouillées. Hop. Lamenting Kiss quand on vient pas. C'est la fête au sub. Truc de fou.
Putain, je crois que c'était un mimique au moment où il a bougé comme ça. Ah non, non, mais ok, c'est tout okay. Non, on va le laisser ouvert. On va le laisser ouvert. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, je pense que y a plein de gens, à mon avis, qui vont pas aimer. Moi, j'aime bien. Ça a pas l'air fantastiquement fait. La musique, à mon avis, va me taper sur le système très rapidement. Oh putain, il y a une fourchette là. Mais j'aime bien. Le problème étant qu'on est déjà sur pas mal de dungeon crawler. Je pense qu'il faut aimer les dungeon crawler pour aimer un dungeon crawler. Ça se tient ce que tu viens de dire, Lord Bald. Toi t'as pas besoin, non toi t'aimes pas Zimin, je sais bien. It's amazing! This place must be hundreds of years old! I'm leaving these notes of our expedition behind to record what we discovered here. From what we can tell, the front gate can be opened by a key located in what appears to be the remains of an office. The architecture, what? Mais ça va pas, c'est Koima qui s'y met maintenant! GG Koima, qui file le sub à Pomme. Oh là là, Pomme, j'avais même pas vu que t'étais plus sub. Merci beaucoup Koima, Kirox, comme d'hab. GG à toi. Je pense que ça serait cool que tu fasses en VR pour voir comment t'aimes les rats. Les éléphants, tu veux dire. Les éléphants, les rats, j'ai rien contre les rats. Les éléphants, je les aime pas. Oh là là, merci beaucoup Koima. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai pas de système de VR en fait, Lord Bald, donc... Et même si j'en avais un, je pourrais pas vraiment l'exploiter au maximum, parce que j'ai pas de place derrière en fait. J'ai le mur à 1 mètre derrière moi là en fait. Enfin, même si en fait, non, y a rien, évidemment. Je suis dans le jeu, regardez, je tiens la torche là, et mon épée dans l'autre main, voilà. Ok, c'est pas grave. Où est-ce que j'en étais? The architecture of this place is very foreign, so it might have belonged to a far off age. The records that we found intact seem to suggest it. Oh putain, ma torche. It was a base of some sort and is actually a castle buried partially underground. This place definitely merits further investigation and I will update my notes with the further we get inside. Donc c'est un mec qui explique en fait qu'il a découvert. Oh putain, voit que dalle. Il a découvert ce château-là, et qu'il y a plein de trucs à découvrir, que la porte, là, elle s'ouvre avec une clé qui est dans un des bureaux, ce qu'on a fait. Et voilà. Hype. Attends. Ah, on peut re-remplir la torche. Il est marqué « remplir la torche ». Rallumer la torche serait mieux. Mais bon, remplir la torche, ça marchera aussi. Oh, notre éléphant! J'ai envie de sauvegarder aussi. Yo lol. Tac. Voilà. En tout cas, moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je sais pas si je le continuerai en live par contre. Peut-être pas. Et il faut encore qu'on fasse Might and Magic 10. Oh putain. Ah bordel. Bah. 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 Ok. Je sais pas pourquoi la caisse s'est cassée là, mais bon. Ok. N'empêche, pour reparler des pommes ou des carottes par exemple, je mangerai pas des carottes qui sont restées ici sur le sol depuis des centaines d'années. Captain Mama, yo! Bienvenue. C'était une toile d'éléphant, carrément, c'était une toile d'éléphant. Ce coffre m'a pas l'air... Ok. Je sens qu'il y a les mimiques dans ce jeu. Je le sens gros comme une maison. Comment vas-tu, Captain Mama? Ça fait un moment que t'as pas vu. Ouais, ils tricotent des toiles, les éléphants, exactement. Voilà. On a appris ça pendant Hollow Knight. Ziwin. Ok, la prochaine fois, je lance un sort. Ça me fait énormément penser à Ultima Underworld, en fait. Ça, j'aime. Ok.
Bonjour. Es-tu un marchand? Might you be another adventurer? Ce serait bien qu'il soit en français quand même. Yes, your eyes don't deceive you. I am another adventurer. Wait. So you're saying there were more? So where are you from? Attends, tu dis qu'il y en avait. Donc t'es en train de dire qu'il y en avait plus des aventuriers? Nay. The only souls I've seen down here are those of the expedition. I followed them to join in the looting. I mean exploration. But now I'm taking my leave. Ok, donc il me dit non, on n'a pas vu d'autres. Enfin, les seuls qu'il a vus, c'est ceux qui, les personnes qu'il a suivies pour l'expédition. Baba, yeah, the entrance to get out is blocked. Ouais, en fait, l'entrée est bloquée. It's blocked? Such an unfortunate turn of events. Then the only way out now is the rumored secret passage way deeper in the castle. Ok, c'est fermé, c'est bloqué, merde. Apparemment, il y a un autre chemin pour s'échapper. C'est un passage secret qui serait plus profondément dans le château, plus loin. What is this passage? Passageway you're talking about? I've explored some of this area already and discovered many things. There are many notes and journals left by the expedition in this place's former inhabitants. On top of that, there are several tasty morsels and glorious loot just waiting to be found. Beware though, the reason I wish to leave this place is because its current denizens are not so friendly. I even saw some sort of moving fog that did strange things when it touched the animals around here. And the bloody traps! One false move and you'll never be seen again. Ok, elle est en train de nous dire que c'est un château de fous furieux avec des monstres et de la brume mortelle et des pièges partout. Et ouais, le passage secret, il est où? The passageway was an old rumor from the castle's original inhabitants. It was supposed to be around the inner sanctum, where an emergency escape presumably exists. I would imagine that there would be more than one trap or puzzle to prevent you from getting to it. You may be able to get help from any survivors of the expedition. Ok, apparemment ça se trouve dans le sanctuaire intérieur, donc ça a l'air d'être assez loin. Il nous dit aussi qu'on peut peut-être obtenir de l'aide des autres membres de l'expédition. Ouais, ça va, j'ai déménagé du coup le temps de récupérer tout ça, internet et tout. Ok, d'accord, ouais, ça marche, Captain Lamar, cool. Putain, j'en peux plus, fait super chaud, je suis dans la salle des projets du coup, encore plus chaud. Je compatis, Mordra, là. Je compatis. Est-ce que j'ai fait des Dark Souls? Ah bah voilà, comme a dit Lumi, j'ai effectivement, j'ai fini le 1 et le DLC. J'ai fini le 2 et un des DLC, j'ai pas trouvé l'entrée des deux autres. J'ai fini le DLC dans la neige, la couronne du Rodivoire, je crois. Et le 3 est en cours, effectivement. On était sur Gundyr champion. C'est tous les vendredis matin à 3h, Lord Balda. Après 3h du mat, c'est un peu chaud, j'imagine, pour les gens qui travaillent. Mais bon, voilà. Tu projettes actuellement Croblanc et Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe? Il y a un film? Mon dieu. Je sais même pas. Champion Gundyr, voilà. Ok, so you're saying some of the others are still alive. Alors tu penses qu'il y a... ouais, on s'en fout, allez, j'ai entendu assez. Well, fine then. I guess you'll just miss out on getting your hands on this health potion, though. I'd be willing to part with it for only 30 gold coins. Ah, il veut me vendre une potion de vie pour 30 pièces d'or. Non, merci. I'd also be willing to sell you some bread for 15 coins if you're interested. Et maintenant, il veut me vendre du pain pour 15 pièces d'or, non? Well, that's all I have for now. You go on ahead. I'll wait here until someone digs me out. Good luck. Ok, c'est bon à savoir. Si jamais on a besoin de potions, il peut nous vendre du bordel. Par contre, je pense pas. Est-ce que... Oh, okay. Hale, might you be another adventurer? Non, on s'en fout. Allez, bye bye. J'aurais espéré qu'il puisse acheter des trucs. Ok, il y a deux éléphants là qui traînent. C'est pas cool. On va essayer d'en aggro un par un. Eh? Ah. Je sais pas quelle portée ça a, ce truc-là. J'ai l'impression que ça ait touché, en fait. Là, ça a touché, là. Ah ! Ok. Ah, ça fait mal ! Ça fait super mal ! Ouh là là, ok. Cool.
Ça fait super mal. Ça bouffe de la mana, logique. Mais vu qu'il y a une statue de mana derrière, je me suis dit que c'est pas grave. Une... Ok, une pioche. On est petit en fait, ou alors il est grand. Ouais, je pense qu'on est peut-être un peu petit. On va casser ça. On est... Ah, oh putain, je l'ai vu en plus, quoi. Chier. Comment je passe? Ok. D'accord. Effectivement, on est en mode giveaway, les gens. N'oubliez pas, tapez point d'exclamation raffle pour pouvoir y participer sur le chat. C'est tout cadeau, c'est tout gratuit. Alors, faut pas hésiter. Je vais sauvegarder un peu. Yolol. Hop. Pas GG, non, pas GG. Je me suis pas fait toucher, je crois. Si, un petit peu. Je sais plus. Ouais, je l'ai vu quand je suis arrivé dessus en fait. Oh là là. On va utiliser la magie, ça a l'air d'être mieux. Bonjour. Chien, loup. Chien, loup. Bleh. What the fuck? Qu'est-ce que. C'est un Minotaur. C'est un Minotaur gargouille. Ok, c'est un truc. Il est sorti de nulle part, c'est super bien. C'est pratique. Un tauren, le gars. C'est ça. Ok. Donc je disais, n'hésitez pas à participer au raffle. Je tirerai au sort pendant la prochaine pause. Ok. C'est bizarre quand même qu'il y ait plein de trucs à looter. Il était pas très solide, non. Mais bon, c'est le début du jeu aussi, hein. Tiens, voilà. Tiens, prends ça. Espèce de truc. Bon, faut bien avouer quand même. Que le jeu n'est pas forcément très comment dire graphiquement par les animations m'embête en fait, voilà, mais bon, il a l'air cool. Je pense qu'il y a faut voir s'il a de la profondeur en fait, faut voir si s'il y a moyen de faire plus que tirer des baboules de feu et taper à l'épée en fait. Mais bon, je le ferai pas en live. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de français et que ça va être lourd pour ceux qui ne comprennent pas le français. Et ça va être lourd aussi pour moi de traduire à chaque fois. Même si là je le fais super rapidement. Je pense que l'histoire a l'air potentiellement intéressante. Enfin, en tout cas, ce qui se passe dans le donjon a l'air d'être intéressant, quoi. Il y a vachement de profondeur, le truc c'est qu'à 4 mètres tu vois plus rien. Lol. Forcément, c'est mieux quand c'est profond. Pas forcément, non. Pas forcément. Oh là là. Est-ce que je peux courir? Je peux pas. Ah. Putain d'éléphant. Ah. Ah. Oh là là là, là, ça existe pas. L'éléphant qui drop un. Un jambon aussi, c'est pas mal, j'aime bien. Tu tireras au sort alors que tu n'as pas atteint le goal. Quoi? Ah, mais non, mais c'est un... Captain, je fais un giveaway parce que c'est... Non, non. Non, non. Aller récupérer de la mana. Je fais un giveaway parce que pour fêter le 12h, en général quand je fais un 12h, il y a des giveaways un peu tout le temps. Captain Mama. Donc t'inquiète pas. Mais effectivement, si jamais on arrive au 1810, il y a aussi un giveaway en plus. Il y a une clé. Ouais, je vais utiliser la statue mana en fait pour récupérer de la mana. Je reviendrai, t'inquiète. Ah si, on peut courir en fait.
On dirait pas qu'on court vraiment, mais... le son, voilà, bref. Le jambon du rat. Les fois la mèche, ouais, lol. Merde, je suis paumé. Ah oui, c'est là. Je m'en rappelle. Ok. Oh là là. Oh là là, Lord Bald. Merci beaucoup pour le host. Pas hésiter à faire un shout-out à Lord Bald, du coup. Je ne sais pas si tu stream. J'imagine que oui. Ou alors peut-être que tu es super célèbre et que tu as plein de followers même sans stream. Le giveaway. Non, le giveaway, je tirerai au sort T-Rex tout à l'heure. Pendant la... un peu, bon bah cool. Je tirerai au sort pendant la pause. Donc en fait, il faut que je spamme le truc. Ah ouais, d'accord, c'est comme un, okay, c'est comme un puits de mana, mais ça rend pas toute la mana. Je pensais que ça allait rendre toute la mana d'un coup, en fait. Ce n'est point ça. Ce n'est point ça. Tu postes aussi, carrément Mordral, vas-y, y a pas de souci. Tout le monde, la commande est ouverte. Hein, c'est pas comme si on pouvait pas le faire. Enfin, j'ai mis les annonces et tout, c'est pas pour rien. Dis, tu lèches la statue ou quoi? Je la bois. Je bois sa mana en son sein. Merde, c'est par là, je crois. Je lui ai tout pompé à la statue, ouais. Pas peur! Pas peur! En tout cas, je suis bien ici pour une fois que j'ai le temps de passer devant un streamer. Bah, cool! Cool, Lord Bald! Ça, c'est bien. Putain, ah, mais j'ai une map en plus. Je regardais même pas la map en haut à droite, donc. Ça va pas être par là. Oh là là! Merci beaucoup, Mordral, pour le host. Merci, merci. Et Mordral fait plein de trucs, les gens, il s'est mis à Elite Dangerous d'ailleurs, après avoir vu Nico, je crois. Alors, tu m'as dit qu'il y avait une clé, t'avais vu une clé. Allez au sol là-bas, je crois. Une pomme. Une quille. Non, c'est... Si c'était ça, c'est une cuillère. C'est une cuillère, à moins que ce soit ailleurs, mais je crois que c'était bien là, hein. Où on était au final, Captain Mama. La plus de fluide, statuesque, c'est ça. Du coup, si t'as l'occasion de passer quand je joue à Dark Souls 3, je connais pas du tout et je débute, donc si t'as des conseils à donner, je suis preneur. Ça marche, Lord Bald, il y a pas mal de gens qui jouent à Dark Souls 3 ici, donc... à cause de toi, j'ai payé 41€ pour Elite et tout le pack. LOL. Vas-y, c'est ma faute, quoi. C'était une couillère, ok, donc c'est bien ça que t'avais vu, en fait. Ok. Juste pour être sûr. Un éléphant qui se balançait sur une toile, je ne connais pas cette chanson. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire, non. Merci. Ok. Ok. Donc. Ah bah. Ah merde. Ah, les monstres sont plus forts quand il fait. Quand il y a pas de. Quand la torche est pas allumée, hein, je rappelle. Et on voit moins bien aussi, ça c'est sûr. Hein. Donc je vais aller par là en fait. What fuck? Hein? Non, je veux. Non! Oh, je vois triple, quadruple, quintuple! Ok. Qu'est-ce qui m'a craché des trucs à la gueule là? À en venir. Quoi? Cool du LSD, lol. Non, c'était quelque part par là. Je vais juste voir s'il n'y a pas... d'où ça sort, en fait. Apparemment, ça ne nous a pas baissé la vie, en fait. Il y a un coffre. Non, c'est pas un coffre. Ok, non, bah non, je sais pas d'où ça sortait, en fait. Vu comment il rame sur Dark Souls, ah ben, d'accord, Fouloub. J'ai pas l'impression de ramer plus que ça, ayant fait le 1, là, on peut dire que je ramais. Ça m'a pas choqué plus que ça, en fait, Fouloub. Mais voilà, chacun a son niveau, hein, c'est comme ça. Ok, alors, je pars du mauvais côté. Faut que je regarde la map, nom de Dieu.
Je passais te voir depuis la Asa Family, donc je fais partie aussi, t'es un des seuls que je passe voir, et franchement j'aime bien l'ambiance calme et chauve. Ah bah oui. Hashtag solidarité pour les chauves. Carrément. Bah écoute, merci du compliment à Lord Ball, c'est cool. D'ailleurs les gens, si vous connaissez pas la Asa Family, n'hésitez pas, quand je suis pas live, à aller voir les gens qui font partie de la team de Sir Asa, donc. Et en général, enfin en général c'est sûr, hein, vu que je fais partie de la team, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de l'écran, en bas de la vidéo, pour aller voir qui est live. Il rampe pas sur Dark Souls 3 honnêtement pour un first run. Merci Lumi. J'avais pas cette impression là non plus, mais après j'imagine que comparé à quelqu'un qui a joué plusieurs fois, oui je rame, mais c'est normal, c'est du Dark Souls quoi. Pas dans ce sens, c'est le kino, c'était de l'humour. Ah d'accord, ok, full up. Ah oui, bah, y a aucun souci. Je pense plus que c'est une sorte de santé mentale que de tenter dans le noir, car ça a stoppé pile quand t'es arrivé dans la lumière. Ah, c'est possible. Peut-être que, ouais, peut-être qu'il a peur, en fait. Je vois ce que tu veux dire, Trek, c'est possible, carrément. Cette histoire, ça me donne envie de jouer à Might and Magic 10, putain. Du poulet. Va falloir que je bouffe un truc, là, pour voir. Junk. Bon, on va tester la bouffe, hein. Alors, putain, disgusting cheese wedge, a horribly ugly piece of cheese, is this even worth eating? Un morceau de fromage dégoûtant. Eh bah, restore 5 hunger. Oh là là! Ok, merci beaucoup pour le host, Captain Mama, et n'hésitez pas à aller voir Captain Mama aussi, les gens. Là, je savais que tu streamais, Captain Mama. Donc, gogo, shout out Captain Mama, s'il vous plaît, les gens. moi, c'est ma first run aussi. J'en suis en stress complet. J'ai battu le deuxième boss hier. Je suis vraiment au début. T'as joué au 1 et au 2 ou pas, du coup, Lord Ball? Parce que ouais, le 3, il est, je l'ai trouvé plus difficile que le 2. Plus facile que le 1, par contre. Mais beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile que le 2, au final. J'ai repris depuis que j'ai la fibre. Cool, cool. Merci, Lumi. Ok. Ok, de la laitue. D'accord. On va bouffer tout ce qu'il y a là. Mon dieu. Ok, d'accord. Ok. On va pousser un petit peu le jeu puisque. Qu'est-ce que c'était que ce claque? On a été à la bourre. On a pris un peu de retard sur les autres jeux. Donc on va pousser 10-15 minutes. T'as joué un tout petit peu à Demon's Souls? Ah, j'ai prévu de le faire, Demon's Souls. Ça serait cool ça. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant, les gens? Je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que ça se regarde bien? Est-ce que c'est aussi prenant qu'un Grimrock? Bon, c'est pas possible, mais... Ah, apparemment, il y a eu des morts en Allemagne. Pas cool. Qu'est-ce que vous en pensez? La musique me pète les couilles. Le bruitage du manger est digne des animations. Oh, lol. C'est vrai qu'il est pas. On sent que. Hein, c'est un jeu indépendant, quoi. Ça se sent. Hein. Bonjour le rat. Ok. Je me demande aussi quand est-ce que le personnage va devenir plus fort. Est-ce qu'il y a. Il n'y a pas l'air d'avoir de feuilles de perso. Ah, si, autant pour moi. Oh, d'accord. On est niveau 2 en fait. Comment est-ce que. Le jeu ne l'a pas dit qu'on était niveau 2. D'accord, donc on peut monter donc les points de vie, la fin, la mana, on doit pouvoir monter tous ces trucs-là, améliorer ça. On a un point d'attribut, donc on peut mettre en force, dextérité, volonté et constitution. Donc j'imagine ça pour la magie, ça c'est la constitution, donc c'est pour les points de vie, ça c'est pour les chances de toucher. Ah non, ou alors... C'est pas... Ah si, c'est indiqué. Increase run speed and damage to range weapon. Ça augmente la vitesse de course et les dégâts avec les armes à distance. Ça augmente les dégâts avec les armes corps à corps. Ça augmente les dégâts avec les sorts et ça augmente le maximum de mana. Et ça augmente la maximum de faim et de points de vie. Je trouve ça un peu mou. Ouais, c'est vrai que je sais... Ouais, je vois ce que tu veux dire, Tiny. C'est pas mal, faut voir s'il y a des énigmes et des boss. Ouais, carrément. Moi, ce que j'aime pas, en fait, c'est... c'est vrai que c'est les animations qui sont un peu bizarres, hein. Je suis d'accord avec toi, c'est des nuits dignes des plus grands AAA aussi.
Et en train de faire des jeux, je trouve ça quand même bien fait pour du indie dans le cas où il serait un développeur seul, on tombe bien. Et bah ouais, c'est pas si nul quoi. Je pense que si j'y joue pas en live, je le ferai en solo, je pense. On va augmenter quoi? On va augmenter les dégâts, tiens, voir ce que ça donne. Ok, on verra bien. On a une statue à mana là. Apparemment, il y a un autre rat aussi. Il y a un autre PNJ. Mais encore une fois, je pense que de toute façon, je le ferai pas en live tant qu'il n'y a pas de français. Quoi. Il y a trop de textes intéressants pour que ça soit. Pour que je le stream en trad. J'aimerais bien capter d'où ils sortent ces coups hein, en fait. Ah, par contre, les effets, je trouve que les effets de brume et de sort comme ça sont plutôt pas mal faits par contre. Il a droppé une bougie, d'accord. Ok. Oh là là, il a. C'est un ange. Qui es-tu? Oh, c'est un fantôme. Hello, traveler. I can provide you assistance if you so desire. In exchange for some things that you may have gathered inside this place, I can bestow upon you power for a brief time. Donc apparemment il peut m'apporter du support et il peut me donner donner du pouvoir pendant un temps limité. Let's trade. I have several powers that can be useful to you. I can make your hits stronger, increase the power of your spells, or make you tougher. I can give you any of these powers, but be warned, they will not last forever. Ah ouais, non mais je veux pas un truc après il va disparaître à tous les coups. C'est pour des trucs temporaires donc j'imagine avant d'aller voir un boss. J'imagine. Oh, je l'ai one shot là pour le coup. J'ai juste foutu le bruit de goutte d'eau pour tous les clics de lui qui est horrible, mais OMG c'est insupportable. Ah ouais? Ouais, bruit. C'est vrai, tu vois, j'avais même pas fait gaffe. Maintenant t'es en train de. Tu vois, tout le monde va faire oh non, maintenant j'entends que ce bruit, ah là là. J'aime pas ce genre de jeu au jour d'aujourd'hui car on peut faire mieux graphiquement. Et moi j'ai vraiment les graphismes dans les jeux maintenant. Je peux comprendre, mais Mordral, après, faut dire que les dungeon crawlers, il y en a pas des masses en fait. Des bons dungeon crawlers, il y en a pas des masses. Et celui-là me fait vraiment penser à Ultima Underworld. Je pense qu'il a été fait, il a été développé en pensant à Ultima Underworld, à mon avis. Peut-être attendre de trouver un boss, peut-être. Mais de toute façon, on va pas forcément trop tarder sur ce jeu. Ok, j'étais d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a rien. Ok, on va aller voir dans la salle là-bas, il y a l'air d'avoir une pièce. La carte est intéressante aussi, je trouve. Je sais pas pourquoi. Piège ou pas piège? Pas piège. On n'a pas sauvegardé depuis longtemps aussi. Ciao. Ils auraient pu mettre une quick save aussi. Autant avant, j'aurais adoré, mais maintenant. Bah après, c'est pas moche non plus, hein, je trouve pas. Hein. C'est vraiment les animations qui sont. Ah, piège. The fuck? Ah ouais, mais attends, mais je... Mais excuse-moi, mais là... Ouais, oh. Ok. Ok, il y a des éléphants. Bonjour, l'éléphant. Ugh, dégueulasse. Viens là, toi. Aïe. Ah, nom de Dieu. Et oh là là, les gargouilles, ça sent l'attaque impromptue là. Je trouve encore que la musique d'ambiance se prête pas au lieu. Moi ça me choque pas, juste un peu répétitif je trouve. Ouais, encore du LSD, mais du LSD rouge cette fois. Des gemmes. Et un bouquin. Blood. Blood everywhere. Those cowards. They weren't strong enough to continue our aborted work, so I had to use them for the experiments myself. We can't stop with what we're doing here.
The plants must go on, no matter what. So I'm just going to have to finish this myself. Du sang partout. Oh là là, je vais devoir finir ça moi-même. Ok, d'accord. Il y a en plus, alors les junk et les tools là, ça me choque. Elle était du son, lol. On était au bord de l'ASMR, c'est bon ça, lol. Attention, faut pas me parler d'ASMR. Est-ce que ça va me re-spooch à la tronche? Non. J'ai l'impression que... Ouais, donc ça ne s'enclenche qu'une seule fois, en fait. Bon. Satan, c'est Beelzebub. Ok, toi, on t'a déjà vu, va-t'en. Attendez, il y a une salle là-bas. Il y a une salle là. On vient pas de cette salle là, on est d'accord. On ne la connaît point, cette salle là. Il n'y a pas d'autre sortie. Ouf. Potion de mana. Ou une potion de mama, hein, Captain. Je vous rappelle qu'on est en mode Divo et les gens, tapez point d'exclamation Rafale si vous voulez participer. RAFFLE. Bonjour, monsieur. Ok. Madame la statue, peut-être. Donc on a des portes. Et... Ça me... Par contre, les pièges, là c'est vraiment... Là, c'est vraiment abusé. Je sais pas si vous avez vu quelque chose, mais je... Oh là là, il faut tous retaper, quoi. T'en étais sûr, hein? Tu l'avais vu? Deuxième mort sans trop comprendre. Non, mais je suis tombé dans un trou, en fait. C'est juste ça. Dégage. Il faut juste que... T'as rien buté? Ah, elle avait une fourchette sur elle. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que ça ferait un éléphant sans fourchette? Allez, dégage! Laisse-moi te tourner autour! Laisse-moi te circle straf! Ok? Et toi, t'avais un gobelet. Ok! Tout à fait logique. Ok. Il faut un... Tu l'avais vu, toi, les tapis sont tellement suspects, c'est pour ça que je crie tapis quand j'en vois un lol. Ok. J'ai vraiment pas vu, quoi. C'est pas un gobelet, un outil, pardon, un gobelouti. On sait officiellement, c'est le tapis, le piège. Ok, est-ce qu'il y avait du sang avant ou pas? Est-ce qu'il y avait du sang avant, en fait? C'est ça que je me demande, hein. Et est-ce qu'il y avait moyen de l'éviter? Moi, je veux dire, de passer à côté, quoi. Ok. Je pense, hein. Oh, putain, j'aimerais tellement qu'il y ait une sauvegarde rapide. T'as pas vu de sang, toi? Ok. Mais c'est pas un tapis, en fait. C'est pas un tapis, c'est une trappe, en fait. C'est juste que c'est mal fait. Mais ouais, mais comment je passe? Ok. C'est vraiment abusé de le mettre là, hein. Vraiment. Je trouve. C'est vrai, tu vois de la pierre partout quand t'as un tapis sur le sol, c'est chelou. Ouais, non, c'est pas un tapis, en fait. C'est pour ça que ça te paraît chelou. C'est vrai qu'au début, je croyais. Mais là, maintenant, je pense que je vais m'en rappeler. Ok. Ok. Tout va bien. qu'est-ce que c'est que c'est? Security bar. Putain. Security barracks. Des casernes de sécurité. Tout ça pour dire ça. Ok.
Imagine le mec qui lit ça. Traduction, caserne de sécurité. Ok. Pas de soucis. Il y a une autre porte là. Pas de tapis. Wow! Oh non, elle m'a dot! Je suis dot! Merci Sky pour les retweets et tout. Non, une viande crue. C'était écrit en bit, je sais pas. Je sais pas. Prochain piège sur le plafond à coup sûr. Lol. As the expedition progressed further inside the castle, we came across a most peculiar sensation. Almost as though we were being watched. Oh là, petit rototo. Or something. A couple of our members said it felt like the very air itself was alive and tracking us. And indeed we experienced a few strange moments where the air boiled violently and even turned blue. But in the end, nothing ever seemed to occur beyond that. We're currently not sure if something is indeed out there or not, but for now, at least it seemed to be avoiding us due to our numbers. Les aventuriers, les expéditionnaires, ils avaient... Oh, barre d'argent. Ils avaient l'impression qu'il y a quelqu'un qui les espionnait, mais au final, qui venait pas les attaquer, probablement parce qu'ils étaient beaucoup, en fait. Qui est-ce qui met les caisses comme ça, sérieusement? Qui est-ce qui peut... Pourquoi mettre des caisses comme ça? Ça aussi, c'est un truc qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a une certaine... c'est pas logique. Disons que le langage est très expressif et détaillé là. LSD, ouais! Ah là là! Ok, bon bah on va aller par la porte là. Mur illusoire, où ça, mur illusoire? Où ça, mur illusoire? Vous avez plus de budget pour acheter de la pierre, hein, lol. C'est peut-être ça. Ok, on est dans les casernes là. C'est les dortoirs en fait. Voilà, mange. Il y en a d'autres. Je vous attends là. Ok. Il n'y a rien sur les lits, d'accord. En fait, j'ai l'impression que c'est un mode d'un jeu en fait. J'ai l'impression que c'est. Imaginez à l'époque, on prend Doom. Tu prends Doom 1 ou Doom 2 et tu changes les textures pour faire un hérétique, quoi. Pour ceux qui se rappellent. Merde, il n'y a plus de... Fuck! Il y a des torches là-bas. Il y a de la lumière là-bas. Il y a de la lumière là-bas. C'est sûr qu'il n'y a pas de mob. Voilà. The promotion. It's such a special moment for me today. A few hours ago, one of the ministers told me I had been promoted and that I would be assigned to the reserve unit tasked with protecting the mages and even the king himself. I packed my things and said my goodbyes to Commander Veil and Sergeant Cogder. In a few hours, I'm to be reassigned to the second floor. C'est un mec qui s'est fait promouvoir. Il va être assigné au roi, à la garde du roi. Et ils ont pris ces caisses de déménagement pour faire un mur, lol. La texture du mur était chelou au niveau des caisses. Ah. On va retourner voir rapidement alors du coup. Mandala. Texture du mur était chelou au niveau des caisses. Ah là. Ouais mais ça serait bizarre parce que. Ok, un truc là. En même temps, on sait pas à quoi ils ressemblent les passages secrets, donc on va pas faire long feu. Ok, donc on a été par là, on est et par où on va maintenant? Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Retwista, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du début du jeu. Je reste sur ma position qui est de peut-être. Le stream, mais si jamais ils sortent du français, donc je vais regarder ça. Si jamais c'est prévu, ou si jamais il y a des fans sub, peut-être que j'y jouerai en live. S'il n'y a pas, et peut-être que j'y jouerai pas en live. Et puis voilà. Mais là, comme ça, on a été par là, oui, on a été par là.
T'as pas pris un autre level? Peut-être. Ah si, comment tu l'as vu? Je l'ai pas vu en fait. Je l'ai même pas vu. Ah bah, on va continuer la force, hein. Continuer la force. Les fansubs, c'est des traductions faites par les fans, en fait, Twista. Contrairement aux traductions faites par... Ah, mais on n'a pas été par là, en fait. Faites par le, bah, les concepteurs du jeu. Parce que les traductions, au final, ça coûte cher, donc certains ne peuvent pas se permettre ça, surtout quand c'est des jeux indépendants. Imagine si le gars est tout seul, par exemple. Et en l'occurrence... c'est si la communauté se met à la traduire, en fait, ça aide bien, quoi. C'est ce qu'ils sont en train de faire sur Darkwood, d'ailleurs. Et j'ai hâte qu'ils le fassent. Ça prend un peu de temps, mais j'ai hâte qu'ils le fassent pour pouvoir vous faire Darkwood en français, en fait. Imaginez juste, comme il n'y avait pas d'anime, t'en avais peut-être pris un. Hein. Pas d'anime. Ouais, c'est, ouais, ouais, bah c'est, oui, oui, d'accord. Ok. C'est bizarre. Aussi, pourquoi... Bref. Hein. Là-bas, vous pensez que c'est un boss? Yeah. Oh! Je passe pas là, moi. Parce qu'il y a une... Il y a de la toile d'araignée partout, là. De la toile d'éléphant, pardon. Oh! T'es costaud, mec! Ok. Marchons sur le pentacle, pourquoi pas? Ouais, donc apparemment il y a eu un crash, une bagnole qui a foncé sur des gens en Allemagne. Youpi. Merde, j'ai cru voir un truc. Ouais, bah j'ai le feeling pour le coup, Zewin. Avant d'aller là. On va aller par là. Est-ce que je peux la refermer la porte? Je vais pouvoir. Merde, je peux pas la refermer. Fuck. En fait, je suis intrigué là, je suis intrigué de voir ce qui nous attend en fait sur le jeu. Je suis bien bien intrigué. Il est pas génial, mais tu peux pas casser la toile d'éléphant géante. Bah justement. Non. Tu as fait le kino sur Bloodborne, j'ai tué un mob qui ressemblait à un éléphant. Oh. Ok. On a dit qu'on allait arrêter, hein. Oh là là, ce plafond! Je ne veux pas! Je ne veux pas! Allez! Ouais, ouais, on s'arrête là, on s'arrête là. Et bien, bien, bien. On est bien à la bourre là. On est bien à la bourre. Voilà, hop! Stop, suffit! YOLOL, au cas où. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était Elkino et c'était la découverte de Castle Torgeth. Torgeth de... Voilà. Descend into Darkness. Merci beaucoup, à la prochaine.